Ouais, Pete. Je remplis mon inscription à l'université, là, et on me demande de me décrire dans un essai. Tu dois te vendre, surtout. Y a rien de pire. Tu dirais quoi à ma place? Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde, ma tante May. Tu te la pètes encore, pas mal. Et il y a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. Je peux pas mettre ça dans mon essai. Attends, je tire juste le fil sans faire le tri. J'ai utilisé mes pouvoirs pour aider la ville et arrêter un tas de gens qui lui voulaient du mal. Comme mon mentor, le docteur Otto Octavius. Otto voulait se venger de son ancien collègue, Norman Osborn, en libérant une arme biologique sur la ville. J'ai fini par réussir à arrêter Otto, même au prix d'un lourd sacrifice. C'était pas mal du tout. Mais je suis pas Peter Parker. Exactement. Tu es Miles Morales. Tu as 17 ans, tu es élève au lycée Brooklyn Visions. Quoi d'autre? Je dirais que... je donne quelques coups de main à ma mère qui travaille à Harlem. C'est la conseillère Rio Morales. Et il y a une fille que j'aime bien. Elle est impressionnante et inspirante. Et je pense que c'est une des meilleures artistes de la ville. Et aussi, j'ai été mordu par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. J'ai été formé par le Spider-Man d'origine. Mais c'est mon père qui m'a appris à être un héros. Il s'est fait tuer dans l'attentat de l'hôtel de ville, par Martin Lee. En faisant le bien autour de moi, je perpétue l'héritage de mon père. Mais c'est dur. Même avec des super-pouvoirs, on peut pas toujours sauver ceux qu'on aime. Malgré tous nos efforts. Mais un héros n'abandonne jamais. Et c'est pas mon genre. Oh, je sais pas trop. Je peux pas parler de moi sans parler de Spider-Man. Mais si, tu peux. Ouais, vas-y, reprends. On brûle en cul. On est prêt. Tout va bien. Tu peux me faire une promesse? Ce que tu veux. Si ça fonctionne pas, débranche tout. Ça fonctionnera. Il me reste plus beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Je ne te laisserai jamais tomber. Entendu la cloche? Asseyez-vous. J'arrive! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut! Je m'appelle Pete. Monsieur Parker. Et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. vous vous demandez comment certains insectes, comme
des oiseaux, des reptiles font pour courir à la surface de l'eau? Réponse, la tension de surface. Pose toilette. Ok. La tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle, gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce que quelqu'un... J'ai besoin de votre aide. Monsieur Morales, c'est ça? Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Ok, tout le monde. En attendant, lisez le chapitre 4 ou 5 ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste. Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer. Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui? Je vais grave me faire virer. Déjà que la principale Evans m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin. Ah Peter, je t'avais demandé d'être à l'heure. Ça ira, on sera revenu le temps de dire où. Tant mieux, parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la PAC. Oh, t'as rendu ta disserte? Je l'ai pas commencé. Ah, bon. Alors on fonce en ville et on s'occupe rapidement de Marco. Salut MJ. Hey les garçons, vous devriez vite venir dans le centre-ville. On traverse Brooklyn, là. Jameson t'a dépêché sur place pour le Bugle? J'en reviens toujours pas que Jack et Jess soient ton nouveau patron. C'est un vrai plaisir de travailler pour lui. Je suis sûr que tu vas te dompter en rien de temps. Bon, et Marco alors? On s'est pas affronté depuis des années. D'après les témoins, il courait sur Broadway en hurlant des troupes. Il nageait en plein délire paranoïaque. Certains ont essayé de lui parler, mais il les a pas écoutés. Il a carrément explosé. Ouah! Pourvu qu'on réussisse à le calmer. J'ai déjà vu des gens perdre le contrôle comme ça. Soyez prudents. Heureusement qu'on a deux Spider-Man. Bonne chance. Merci MJ. Peut-être qu'on aura besoin de nos nouveaux gadgets aussi. Pas question. C'est que des prototypes. Y'a eu aucun test. Tu les as bien apportés, on est d'accord? Je réponds pas. Je crois qu'on l'a trouvé. Marco! Attends là! C'est ça l'homme sable? MJ, rigolez pas! Il faut l'aider avant qu'il fasse du mal à quelqu'un ou qu'il se blesse! C'était ça.
tomber. Ah, j'ai jamais dit qu'elle serait bonne, hein. Je ne fais pas ces journées normales. Enseigner la physique, avoir des échanges gênants dans la salle d'épreuve. Spider-Man, tu peux réceptionner ce colis? Viens en moi! Je suis là! Je l'ai! Mini Marco? J'aimerais bien pouvoir faire ça! J'ai reposé Mister Gerbe! Mais il a eu le temps de salir mon costume! Et il n'est pas le seul! L'homme sable vient de dégueuler des psychopins! Oh non! Il peut faire ça! Apparemment! J'ai besoin de toi! Monsieur Parker? Pardon, c'est qui? La principale Eval. Ah oui, bien sûr! Tous les étudiants ont évacué les salles de classe. Où êtes-vous? Monsieur Parker! C'est rien! Il s'est laissé! Un truc dans ma voiture! Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave! Attendez! Ça a marché? Je veux dire, oui! Mais je suis en train de courir là! Vous avez intérêt à revenir si vous occupez de vos élèves. Sinon. Ça sent pas bien! J'y suis presque! Tu tiens le coup? Mike? La principale Evan t'a appelé! Oh non! Ça y est, je suis viré! Oh, ça va? Toi, t'as juste séché les cours! Moi, j'ai abandonné des élèves en plein milieu d'une crise! Ouais! T'es mal barré! J'ai toujours détesté ce nom. Je sais que t'es en colère contre moi. Y'a aucun rapport avec toi. Laisse-moi la paix. Je veux juste t'aider. Mais ça va pas te faire du bien. Pendant que je récupère. Je m'occupe de faire jaillir de l'eau en attendant.
que j'allais le faire. On se débarrasse pas de moi comme ça. On a besoin des talents de Kanki. Kanki, t'es là? Oh, c'est de la folie. Oh, on n'en parle pas. Mais écoute, on a besoin d'une grosse source d'eau vers Wall Street. Je vérifie le réseau. Fais gaffe à toi, mon pote. Vous aussi, monsieur Parker. Ça marche. Attends, quoi? Il est au courant? Kanki, c'est tout. Et en plus, on a été trop chelou en cours tout à l'heure. Ça m'apprendra à enseigner aux surdoués. Je peux t'emprunter un peu de sable? Présente-nous la météo du jour, Spider-Man! Il va pleuvoir, il va encore prendre une autre! Il est pile poil au bon endroit! Les gars, la cuve d'eau sur le Madison Building devrait faire l'affaire. Elle contient dans les 40 000 litres. Ça marche! Merci, Kanki! Vous auriez dû rester en dehors de ça, les amis. Je le trouve toujours pile poil au bon endroit. Bon, je reconnais que j'ai parlé un peu vite. En tout cas, il est en train de grandir. On continue de grimper. On y est pas. La coupe d'eau. Spider-Man. Moi, je voulais juste mener une vie normale. Comme tout le monde. C'est pas la bonne méthode, Marco. Mais pour un type comme moi, c'est la seule méthode. C'est en train de dégénérer. Peter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai atterri dehors. Continue de monter! Je te rejoins sur le toit! Cette cuve d'eau est notre seule chance! Peter, reviens par ici. Reste à l'intérieur! Il doit être occupé. La journée va être longue si on récupère pas cette citerne. Ralentis pas, Miles. Tout ce que je voulais, c'était une vie normale. C'est pas encore trop tard! C'est trop tard maintenant. Oh non! Pourquoi Marco a pas fait des pâtés de sable plutôt? Maman! Tout va bien? Je suis avec Peter! Je sais! Tu es sur toutes les chaînes! J'ai aidé à coordonner les ressources et les distributions dans le centre. Est-ce que Kanki te couvre bien au lycée? Ouais! Mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure! Et la principale pense que j'ai. Je peux aller parler à ta principale, mais New York a besoin de toi! J'ai la mère la plus cool! Je t'en supplie, sois prudent. Et quel homme. Maman a raison. New York a besoin de nous. Yeah!
Tu vas t'attirer encore plus d'ennuis. Si seulement je pouvais parler de ça dans ma disserte, je serais pris dans n'importe quel pack. Enfin, Spider-Man en tout cas. Bon, tu cogiteras plus tard, Miles. Concentre-toi. Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage? De la fulgurite! Comme quand j'ai foudroyé les minis! 1 sur 20! J'absorbe assez d'énergie! Et je remets plein la tronche! Tu veux que je me fasse frapper par la foudre? Je vais tenir le coup! Y a qu'une façon de le savoir! Tu compterais orienter un éclair au juste. Comme t'as dit, faut qu'on teste les jouets. Maintenant ou jamais, Spider-Man ! On s'active !
lutter. Parce qu'on a promis de protéger cette ville. Vraiment partout. Marco, ça va aller. Ça fait bien longtemps que rien ne va plus pour moi. Si t'as besoin d'aide, tu sais que t'as qu'à demander. C'est fou qu'allez avoir besoin d'aide quand ils vous pourchasseront. Comment ça? Deviens lent avec l'âge, Sergueï. Jamais tu ne connaîtras ça. Je te suis à la trace depuis des heures. Tu n'as rien vu venir. Pitoyeux. C'est pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse. Allumez les feux. La grande chasse commence. La pine répond plus. Pete, ça marche chez toi? Ouais, deux secondes, Miles. C'est bon, on risque plus rien. Non, ça marche plus.
Allô, Ganki ? Je sais. Tout le réseau de la ville est HS. Elles deviennent quoi, les demandes qu'on reçoit ? Elles sont mises en attente, mais... Attends. Je vais essayer un truc. Traîne pas. Juste avant que l'appli se ferme, j'ai vu une demande d'aide à Liberty et Broadway.